Vanessa et surtout moi, on te doit tout, maman. Tu m'as rapporté les Tupperware de la dernière fois? La prochaine fois, promis. Tu devais pas venir un truc, hein? Si, je dois te dire quelque chose. Quelque chose d'important. Soyez doux chaque jour avec votre mère. Aimez-la mieux que je n'ai su aimer ma mère. Que chaque jour vous lui apportiez une joie. Ces paroles que je vous adresse, fils des mères encore vivantes, sont les seules condoléances qu'à moi-même je puisse m'offrir. D'accord que c'est pas une séance? Évidemment. Je t'écoute. Je vois ma mère. Quand? Tout le temps. Enfin non, je la vois quand je mange. C'est intéressant. Tu peux la convoquer en mangeant, donc. Pour être plus précis, je la vois quand je mange des plats qu'elle m'a cuisinés, elle. Je comprends pas. Elle peut plus rien cuisiner pour toi, là. Elle m'a laissé pas mal de nourriture dans des... dans des Tupperware. Ça va mieux? Et tout va bien. Tu veux pas qu'on aille manger dehors, plutôt? Pénible. Ah, tu m'emmerdes! Elle est où, là? Je peux lui parler? Là. Là? Ici, là. Bonjour, madame. Alors, je m'appelle Oyana. Je suis dans le lit de votre fils parce que nous venons de faire l'amour. Et puis là, on va manger un petit morceau. Ce serait gentil de nous laisser tranquille. Merci. Tu l'as fait partir. Elle est là? Oui. Elle est là. T'en fais pas, elle finira bien par partir.